de neuf chez Delcourt. Ça y est, il est là, regardez, le second tome d'Invincible. Invincible, tome 2. Le second tome en intégrale d'Invincible est disponible dès à présent sur Original Comics.fr. Le tome 1 est un carton, il y a déjà eu deux tirages. Énorme succès pour le tome 1 et une série qui a enfin du succès après avoir un petit peu galéré lors de sa première édition en version française. Ça a connu des aventures un peu compliquées. L'aventure éditoriale a été dure pour cette série qui mérite tout le succès qu'elle a aujourd'hui. Comme quoi, il faut laisser le temps aux séries, il faut trouver le bon format, il faut vraiment réussir à convaincre les fans. Vous le savez, c'est Robert Kirkman aux manettes. C'est une sorte de Ultimate Superman, en fait, on pourrait appeler ça comme ça. C'est aussi bien que Ultimate Spider-Man, je lui souhaite le même succès que l'Omnibus Ultimate Spider-Man, vraiment, et vous allez absolument vous régaler de cette intégrale, absolument, enfin, quelle série, quoi. Il y aura 12 tomes, a priori, il y en a deux par an qui vont sortir, et ben ne ratez pas le tome 2, le tome 1 est toujours disponible, prenez les deux, vous allez vous régaler, vraiment, offrez ça à quelqu'un qui a envie de découvrir les comics, c'est un nouvel univers à découvrir, vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose pour apprécier, c'est vraiment un point de départ génial. Le tome 1, le tome 2 sont dispo sur originalcomics.fr. Alors quoi d'autre? La sortie de Undiscovered Country, la série signée Scott Snyder, Charles Soule, et ouais, deux scénaristes pour une série avec le dessinateur superstar Giuseppe Camuncoli. Et ouais, une nouvelle histoire d'une Amérique qui ne tourne pas rond, mais on a l'impression que ça n'a jamais été autant d'actualité. Un beau format chez Delcourt comme d'habitude. Deux grands noms, c'est fou que Scott Snyder ne soit pas édité chez Urban, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Charles Soule, deux bons scénaristes pour un comics à découvrir, et l'association de grands dessinateurs et de grands noms, c'est ça qu'on aime, c'est un comics Image Comics aux États-Unis et c'est publié en VF chez Delcourt. On termine avec une beauté, une merveille. Ça s'appelle Moby Dick, et ouais, le vrai Moby Dick, hein, l'adaptation du livre de d'Herman Melville par Monsieur Bill Sienkiewicz. On ne présente plus Bill Sienkiewicz, bien entendu, Elektra, Assassin, évidemment, Les Nouveaux Mutants, Moon Knight, dessinateur fabuleux, peintre incroyable, qui a adapté ce roman classique d'Herman Melville dans une adaptation cultissime et magnifiquement éditée pour l'occasion. En version française, c'est disponible sur originalcomics.fr. On vous met le lien de la catégorie Delcourt dans le descriptif de la vidéo. Voilà, belle sortie chez Delcourt. Delcourt, c'est la science de la qualité. C'est peu de titres, mais que des bons titres. À découvrir sur originalcomics.fr. Bien entendu, salut!